Il est 15h. Les mégaphones hurlent pour annoncer ⁇ Départ promenade au troisième étage ⁇⁇ Départ promenade au troisième étage ⁇ Les annonces sont toujours répétées au minimum deux fois. Puis, quelques secondes plus tard, ⁇ Droite, départ promenade ⁇ Je suis prêt, devant la porte, avec dans la main ma carte biométrique sans laquelle je ne peux circuler. J'attends le bruit des lourdes portes qui s'ouvrent, se rapprochent. Je m'impatiente. Il y a longtemps, j'ai connu une fille qui avait un chien, un Jacques Russell. Il avait l'habitude d'être promené à heure fixe. J'ai le souvenir qu'à l'approche de l'heure fatidique, le chien se positionnait devant la porte, dans une sorte de réflexe pavlovien. Je me suis déjà surpris à me faire penser à ce Jacques Rossel. Dans la cour, tous les détenus tournent en rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi J'ai mes deux hypothèses. La première, c'est que l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que, inconsciemment, on souhaite remonter le temps pour changer le passé. La seconde théorie serait que les individus auraient le cœur si lourd qu'ils feraient pencher le corps sur le côté gauche, créant ainsi une déviation de la trajectoire dans ce sens.